Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Juste un qualificatif pour ce stade. Magnifique. D'après nos informations, ça devrait être un 4-5-1. Ça a souvent été le système de référence dans les matchs à ne pas perdre. Avec un milieu de terrain fourni, on peut défendre plus facilement, notamment sur les ailes. Mais après, ça veut dire que l'entraîneur a confiance en son attaquant de pointe, parce qu'il risque d'être un peu seul. Ok, c'est parti! Une très longue passe. Coup de sifflet, hors jeu. Un très long ballon. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Le stade de Reims qui peut avancer. Allez, bonne intervention. C'était une bonne intervention. Zonzi. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Reims adopte une tactique bien connue là. Ah oui, dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser tout... Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Ça manque un peu de précision. Garde le ballon. Allez. Rennes qui... Il tire. Oh, quelle frappe. Quel bijou. C'est tout simplement incroyable. Magic. Et l'ouverture du score pour le stade rennais. Et ce but, que vous inspire-t-il? Il était trop fort pour le gardien sur ce coup-là. Bien vu. But pour l'équipe du Stade Rennais. Après 14 minutes de jeu, le numéro 4. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. C'est osé. La longue passe, il peut en profiter. Le bon dribble, ça joue à gauche. Il est sorti du jeu. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Grenier. Arrêtez-le ! Ils obtiennent un coup franc.
Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture et il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. De là où il est placé, il peut frapper directement. Il le tente! Premier corner dans cette rencontre. Bon dégagement, bien joué. L'arbitre signale une faute. Le long dégagement du gardien. Le ballon dans la profondeur. La passe dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. L'occasion ! C'est mal dégagé. Ça peut être dangereux! Il cherche la profondeur. Oh, le tacle! À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Un long ballon vers l'avant. C'est bien fait, ça. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage! Le bon ballon. Rennes, qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. Guirassy ! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il progresse encore. Il est passé. Oh, il n'avait peut-être plus les jambes après cette longue course. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Terrier. Guirassy. C'est joué dans l'espace. C'est joué long. Ce contre peut très bien aller au bout. Il était bien présent. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Et il mérite de mener à la pause. Le public est satisfait. La seconde période, c'est parti. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Il tente de la jouer dans l'espace. Oui, il peut frapper là. Et ça fait but. Il compte maintenant une avance de 2 buts. Mais quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond, défilé! But pour l'équipe de Sarre. Après 47 minutes de jeu, le numéro 1. C'est reparti sur ce score de 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Il décide d'allonger le jeu. Zonzi, quelle passe! C'est bien donné. Terrier. Il allonge le jeu.
Il la tente. Et voilà, but. 3 buts d'avance, l'affaire semble être pliée maintenant. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. C'est très très bien joué là, il savait exactement où se placer pour attirer ce ballon. But pour l'équipe de Sarabia. Après 54 minutes de jeu, le numéro 1. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Oui, il domine franchement en ce moment et ça devient très compliqué pour l'équipe en face. Bien joué, ils vont pouvoir repartir. Un bon ballon vers le côté. Qui est bien placé. Centre. Zonzi. Bon, à 3-0, le match semble bouclé, mais attention à rester quand même vigilant. La longue passe. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça? Expliquez-nous. Bah, ils restent à distance, ça leur permet de mieux lire le jeu, plutôt que de se précipiter sur la balle. Ah, ok. Faut que ça va partir vite. Grenier, qui a donc offert un but à son coéquipier. C'est joué dans la profondeur. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. L'ouverture lumineuse. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il est bien placé. Grenier! Il est servi! Sur la gauche. Terrier. Ça joue long vers l'avant. On ne le met pas souvent en valeur, mais un bon marquage individuel, c'est important. Bon, il leur a déjà montré de quoi il était capable, alors là, il se méfie. Nzonzi. Oh, le bon ballon! Il a choisi de jouer long. Et encore une fois, ils sont solides. C'est joué long, attention. Il frappe loin devant. Oh, s'il réussit son contrôle. Grenier. Bien servi. Allez, jusqu'au bout! Aucun danger pour le gardien. Rennes qui procède à un autre changement. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. Dans la profondeur, bien vu. Oh, quel geste! Il est en bonne position pour centrer. C'est une occasion, ça! Ça peut être extrêmement dangereux. C'est fini! Le match est terminé! Et quelle différence à l'arrivée au tableau d'affichage. On a vu aujourd'hui, quand même, de gros problèmes défensifs au niveau du marquage. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre ?